personne du sexe opposé connaît bien dans ces bras-là. Connaît bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Connaît bien dans ces bras-là. C'est la vraie prière, la prochaine aime le prochain. C'est la vraie grammaire, le masculin s'accorde avec le féminin. Connaît bien dans les bras une personne du sexe opposé. Connaît bien dans ses bras-là. Connaît bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Connaît bien dans ses bras-là. Certains jouent quand même les atouts de même couleur. Libre à eux, moi j'aime les valets pour les dames, les trèfles pour les cœurs. Connaît bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Connaît bien dans ses bras-là. Connaît bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Connaît bien dans ses bras-là. Les creux pour les bosses, tout finit ouais. Par se marier. Les bons pour les rosses, et même les colombes avec les éperviers. Connaît bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Connaît bien dans ses bras. C'est non cancéreux. Mais enfin, il a déjà perdu une oreille, c'est-à-dire une oreille droite. Et bon, il serait à dire peu à peu, il est arrivé en mois de mai, un beau garçon, il a piqué. Ah oui, il a piqué. Ah oui, très professionnel. Attaché à moi, moi j'en profite un peu. Là je raconte à peu près mes débuts quelques secondes. Avec Capucine, on est là au début, on est les seuls. Ça n'existe pas encore à Paris. On nous dit des grandes choses, mais nous on s'amuse comme des petites folles parce qu'on est super par les danses un peu. Et puis après, ça finit par une tournée et je rentre à Bouzel et là je découvre le signal, etc. Mais au Carousel, je deviens très ami avec vous. Et on vit ensemble dans le même appartement. Et bon, on a fait du ski dans le sens avec un signal, on ne peut pas. Voilà. Et ça, c'est donc un petit peu, je change de nom pour pouvoir me libérer. Ah ben c'est une... C'est-à-dire que j'ai écrit d'abord un roman, un premier roman, que je n'ai jamais édité, qui se finissait pas... qui se finissait chez Madame Arthur. Ah, mais début chez Madame Arthur. Et c'est un roman que j'ai écrit, j'ai laissé. De toute façon, moi j'enseignais. Je ne pouvais pas travailler, j'avais pas comment écrire. Et donc, j'ai laissé tomber. Après, j'ai écrit ça à peu près, parce que j'ai inventé ma vie avec l'idée de faire des suites. D'accord. En particulier celui-ci et celui-ci, je les avais dans la logique, il va sortir un quatrième qui sort de là, c'est un prochain, et un cinquième avant la fin de l'année. Alors, moi je vais prendre les trois. Oh là là. Et les trois, je vais dédicacer pour écran mixte. Ce sera dans la collection du festival. Et Capucine, je n'ai dit pas son nom, parce qu'elle ne voulait pas me parler d'elle. Alors, elle m'a libéré. Mais je pense qu'on va lui rappeler des vieux souvenirs. Alors, madame. Voir quand même. Ben voilà, on se voit. J'ai été opérée, moi, en novembre 2012.
Oui. Par l'équipe. Par mon journée. Ah, oui, je vais bien entendre parler de mon journée. Oui. Ben, naturellement, parce qu'il y a une journaliste qui a fait un reportage sur eux. Et des journées. Et elle lui fait un truc à la. Dans les bras d'une personne du sexe opposé, qu'on est bien dans ces bras-là, qu'on est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas, qu'on est bien dans ces bras-là. C'est la vraie prière, la prochaine aime le prochain, c'est la vraie grammaire. Le masculin s'accorde avec le féminin. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Qu'on est bien dans ces bras-là. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Qu'on est bien dans ces bras-là. Certains jouent quand même les atouts de même couleur. Libre à eux, moi j'aime les valets pour les dames, les trèfles pour les cœurs. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Qu'on est bien dans ces bras-là. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du genre qu'on n'a pas. Qu'on est bien dans ses bras-là. Les creux pour les bosses, tout finit par se marier. Les bons pour les rosses, et même les colombes avec les éperviers. Qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Qu'on est bien dans ses bras-là.